Bonjour à tous et bienvenue sur ce live dédié à Marvel, tournoi des champions. Aujourd'hui, live sur le gros compte, donc nous allons faire la complétion de la QE d'événements. Donc la QE pluie d'étoiles, difficulté cavalier, donc sur le gros compte. Alors, très content de vous retrouver parmi nous. Donc, avant de se lancer, un beau bonjour à toi Claude, très content de te voir. Mouspi, Intik, Patricia, XF Xenos, très content, XF Sneller aussi, très content de vous retrouver sur ce live. Donc bonjour et bienvenue à vous tous qui nous regardent aussi, donc bienvenue. Salut Alex, comment ça va aujourd'hui? Et salut tout le monde, je vais très très bien aujourd'hui. Donc petit live avant le travail, donc le boulot, je travaille ce soir, donc petit live et ensuite direction le boulot. J'espère continuer jusqu'aux étapes supérieures. Eh bien, je te le souhaite, Intik, pour le Summer Pain. Mouspi, je suis parti voir un pote. La bise, mon chef. Eh bien, bonne soirée à toi, Mouspi. Donc, nouvelle quête d'événements qui est sortie mercredi 19h, si je ne me trompe pas. Alors, dans nos choix de personnages, donc, allons chercher une équipe au hasard, puisque en difficulté cavalier, il y a des tableaux qui sont réservés à un certain type de personne. Une certaine classe de perso, pardonnez-moi. Donc, allons regarder le 1.1. Donc, les attaquants virtuoses. Donc, c'est un tableau virtuose. Les attaquants virtuoses empêchent les compétences d'évasion des défenseurs lorsque le défenseur endure un défi de désorienté, incinération ou décharge. Donc, je dois apporter avec moi désorienté, incinération, décharge. Donc, Nick Fury, Black Widow, Deadly Origin seront probablement mes champions de prédilection. Mémoire visuelle, les attaquants virtuoses gagnent une furie passive indéfinie qui augmente le taux d'attaque chaque fois qu'un effet d'évasion est empêché. Donc, maître des mixtures, je ne peux pas faire deux fois la même attaque. Et sinon, l'adversaire va évader et je peux me faire intercepter. Donc, il y a une borne supplémentaire sur la ligne A. C'est la borne track qui fait en sorte que si vous lancez un SP pendant 6 secondes, pendant 15 secondes, vous ne pouvez pas relancer un SP. Sinon, vous allez prendre une déviation, un debuff de déviation pendant 6 secondes. Donc, allons-y. Regardons la seconde borne, donc la seconde ligne, effritement d'armure. Si je ne tape pas mon adversaire dans les 6 secondes, il sera. Je recevrai un debuff de brise armure. Et ici, il n'y a pas de borne supplémentaire. Donc, nous avons Ant-Man, Guillotine 2099, Red Hulk, Flèche Noire, Void et Gwenpool. Donc, allons chercher. Regardons le boss aussi, bien naturellement. Donc, Barrière Divine. Lorsqu'il combat un attaquant mystique, chaque 10 secondes sur le compteur, le défenseur devient immunisé aux effets de purge désinstallés. Et essentiellement, pendant 6 secondes, la durée du compteur est interrompue pendant 2 secondes chaque fois que l'attaquant purge un buff. Espace personnel, plus je suis près du défenseur et plus il va gagner en furie.
Là où ça fait mal, je ne peux pas lancer deux fois le même SP et pris au piège si j'inflige un debuff qui inflige des dégâts sur une période de temps. Il va gagner 100% plus de pouvoir. Donc, salut mon Alex, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde. Salut à toi, Nico, j'espère que tu vas bien aussi. Merci d'être là aujourd'hui. Corvus plus Praxima, top. Oussine, tu sais, en effet, tu as tout à fait raison. Je vais aller voir quel type de champion je vais prendre pour le 1.1. Donc, je pense que je vais y aller pour le champion puisque il a comme une borne anti-mystique. Nous allons utiliser Missulk. Donc, Missulk, nous allons placer un debuff de ralentissement sur l'adversaire, donc il ne deviendra pas irrésistible. J'ai fait beaucoup de pubs aujourd'hui, mon Alex. Eh bien, merci à toi, Nico. Merci d'être là. Merci de faire de la pub. Merci de partager mes vidéos. C'est très, très bien. Donc, merci à tous ceux qui le font aussi, qui prennent le temps de partager mes vidéos dans leur alliance. Donc, c'est vraiment très apprécié. Elsa Bloodstone sera très intéressante pour ce tableau. Massacre avec le SP1 pourra être très, très bien. Et regardons Black Widow Deadly Origin. Donc, Killmonger est aussi une très très bonne option, puisque après le SP1, vous allez gagner, après le SP, vous allez gagner un debuff, un buff passif de coup direct qui empêchera l'adversaire d'éviter. Et les segments seront tout à fait très 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 puissants. Alors, je crois que je vais remplacer Killmonger par Massacre par Killmonger. Moi, mes deux seuls bons 5 étoiles, c'est Omega Red, Éveillé et Warlock sur 27 5 étoiles. Eh bien, tu as déjà deux très très bons champions. Tu as deux très très bons champions 5 étoiles. Alors, bravo, GG à toi. Nakibal, Waza, salut à toi mon ami. J'espère que tu vas bien. Content de te voir comme à tous les jours. Donc, merci d'être là mon ami. Et j'espère que tu vas bien. Donc, testons notre Killmonger. Donc, pour ce qui est de mettre des mixtures, vous pouvez faire une parade pour faire un combo complet. Rapide, 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 moyen, rapide. Donc, vous pouvez faire un combo plein. Donc, vous pouvez placer 3 attaques légères lorsque l'adversaire est étourdi. Et là, je vais provoquer son respect. Et là, j'ai mon buff de coup direct. Les furies vont augmenter. Donc, Ant-Man qui dévie beaucoup les attaques. Alors, mes segments ne seront pas aussi présents qu'on le souhaiterait. Lorsque l'on fait des coups critiques, ça tape très fort. Donc, Killmonger qui est CSR1, que je voulais monter CSR2, voire 3 pour la lift. Mais nous avons déjà un Killmonger CSR3 dans notre défense. Donc, il reste 6R1 pour l'instant. Donc, et je croise les doigts pour avoir Shang-Chi en 6 étoiles. Ça va tranquillou, oui, merci. Donc, parfait, très content de l'entendre. Moi, j'ai fait la QA en maître. Les bornes du boss sont très difficiles. Eh bien, oui, il se pourrait très bien que les bornes du boss soient très difficiles. J'ai bien hâte de les découvrir avec vous. J'ai eu profit 5 étoiles dans un cristal à 300 unités. Eh bien, un gros GG à toi, mon cher. Donc, c'est du très lourd. Donc, avec Gatine, puisqu'elle est immunisée au segment, Killmonger sera très peu utile. Je pourrais prendre Elsa Bloodstone, mais je vais y aller avec Black Widow, Deadly Origin.
Donc, on place un brise-garde. Et on place une décharge. Donc, maintenant, les furies vont monter assez rapidement. Donc, on se doit de provoquer le SP2. Et nous allons répliquer par un brise-garde pour désactiver le bouclier à Guillotine 2099. Donc, Black Widow pour cette quête est assez incroyable. Donc, elle est très intéressante à jouer. Elle est devenue invisible. Et Abo Immortel 5 étoiles, eh bien, GG pour ton Abo Immortel, très très bon champion. Donc, j'espère que tu apporteras les deux champions en rang 5. C'est cher, mais il en vaut la peine. Oui, j'ai mes 300 unités, c'est cher quand même. Eh bien, oui, c'est cher, mais c'est le coût des cristaux. Personnellement, le but, mon but, aujourd'hui sera de ne plus dépenser d'unités dans les cristaux car j'ai une chance très mauvaise. Donc, il a un debuff de décharge, donc je peux contre-attaquer sans trop de problèmes. Oh, et que je me fais contre-attaquer maintenant. Donc, je veux provoquer son SP1. Et c'est terminé. Donc, Black Widow, Deadly Origin. Même 6R1, 5R4, reste une très très bonne championne, surtout pour cette quête cavalier. Donc, j'ai passé à deux doigts d'échapper le téléphone à terre. Oui, c'est cher, mais ça en vaut la peine. J'ai quand même un bon 5 hier, mais je me suis fait opérer des oreilles. Ah, d'accord. J'ai vu tes vidéos du Summer of Pain numéro 4. Alex, moi, je l'ai fait avec CCR et Captain MCU sur le compte de mon père. Eh bien, bravo à toi, Xenos. Très, très bon. J'en connais un autre qui a eu Profix. Oui, j'ai vu que Palarus avait eu Profix. Donc, GG à lui. Allons voir ce que Killmonger pourra faire. Ah, j'ai mal mis en place mon combo. Donc, 3 attaques rapides. Donc, une dex du SP1. Et voilà. Ah, je n'ai pas eu le buff de coup direct. Vont commencer à se cumuler. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi le buff de coup direct ne se rafraîchit pas. Donc, il faudra que je reste prudent. Donc, moi qui voulais exploiter un maximum Killmonger, ça devrait attendre au prochain combat. Et là, zéro coup critique sur le SP2. Et je suis à 5 Fury. Donc, c'est risqué. Donc,
J'ai Black Widow, level 254. Eh bien, bravo. GG à toi, Nitek. Black Widow, très très bon, très très bonne championne. Salut, salut, c'est nous. J'espère que tu vas bien, mon cher. Waouh, merci, ça m'aide tellement. Tu expliques trop bien. Eh bien, merci, Claude. C'est très 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 apprécié de ta part. Donc, je suis bien content de pouvoir t'aider un maximum dans cette nouvelle QE Cavalier. Pardon, CGR. Oui, j'avais compris, Xenos. C'est OK. Donc, j'espère que ça l'a bien été avec CGR. Et là, j'étais trop concentré par... J'étais trop concentré par le buff de coup critique, de coup direct que j'en ai oublié le debuff de Void. Allez. Donc, 3 coups rapides, un coup moyen et un coup rapide. Et voilà. Donc, j'ai mon coup direct. Nous allons essayer de faire un maximum de dégâts. Et j'oublie encore le combo de 10 pour le debuff de Void. Et voilà, c'est terminé. Faut pas spoiler, mon Alex. Ah, j'ai dit ça, moi. J'ai déjà spoilé. Eh bien, je suis désolé, Nico. Je suis désolé, Palaris. CGR ou Hercule. Je dirais Hercule. J'ai beaucoup apprécié le jouer. Donc, si vous avez vu ma vidéo, si vous n'avez pas vu ma vidéo de gameplay d'Hercule, allez la voir. Sinon, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire. Et Hercule est un excellent personnage. Donc, nous allons faire des combos complets jusqu'à notre SP1. Pour infliger un debuff de désorienté sur le personnage. Donc, Gwenpool ne pourra plus évader le temps du debuff. Donc, en haut de 5 charges tactiques, elle ne pourra plus évader non plus. Donc, Nécurie reste une très très bonne option, voire une des meilleures pour cette quête de la QE Cavalier. Pourquoi CGR ou Hercule? Eh bien, Hercule, simplement pour la nouveauté, je trouve qu'il tape très très fort, un peu comme Cosmic Ghost Rider, où il n'a pas besoin de son éveil pour maximiser sa puissance. Donc, je considère que c'est une très très bonne option. Alors, peut-être un peu plus complexe à jouer pour utiliser son plein potentiel avec les missions avec les interceptions que vous devez faire par les SP, mais ça se joue quand même très très bien. Donc, barrière divine, espace personnel, là où ça fait mal, est pris au piège. Donc, nous allons placer un debuff de ralentissement sur le champion. Donc, il n'évadera plus, il ne deviendra plus irrésistible, pardonnez-moi. Donc, je dois alterner entre mes SP. Et
il aurait fallu que j'écris « Je tape un coup » pour placer mon buff de ralentissement. Oh, et ce champion m'a intercepté. Donc, ce n'est pas grave. Alors, ça se fait plutôt bien avec Miss Hulk. Et je vais manger le coup. Non, pas du tout. J'ai eu peur. J'ai eu très peur de prendre le coup. Donc, il ne devient pas irrésistible. Et nous allons terminer le tout, je crois, avec ce SP2. Presque. Ah, non, non, ok. Donc, il a régénéré. Oh là là. Donc, avec Miss Hulk, ça s'est fait très bien. J'ai complètement raté le coup. Enfin, de combat. On n'oublie pas les petits pouces bleus. En effet, si vous aimez le contenu, si ce que vous voyez, ça vous plaît, laissez un like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc c'est terminé. Nakibal, je viens aussi d'avoir profit 106. Donc, GG à toi, Nakibal. J'espère que tu vas aller chercher le rang 3 avec ton profit. Donc, un très très gros GG à toi. Salut Léo, j'espère que tu vas bien, merci d'être là aujourd'hui. Donc, je commence à avoir beaucoup d'éclats, 5 étoiles. Donc, si je ne réussis pas à avoir Shang-Chi en 6 étoiles, je vais ouvrir toutes mes 5 featured pour essayer de l'avoir. Bonjour à tous, c'est Alex, salut à toi Palaris, j'espère que tu vas bien. Donc, tout... Les champions qui sont dans un cadre mauve n'ont pas de bornes supplémentaires, donc sont considérés la ligne facile. Alors, les attaquants en science réduisent la puissance des effets de poison passif du défenseur de 85%. De plus, chaque fois qu'un attaquant en science évite une attaque ou effectue un blocage synchro, tous ses debuffs passifs de poison sont supprimés. Si et chaque fois vous allez purifier un debuff de poison ou vous allez y être immunisé, vous allez gagner une furie qui va augmenter votre attaque. Chaque fois que le défenseur encaisse ou bloque une attaque, il a 30% de chance d'infliger un poison et l'attaquant reçoit affaiblissement passif permanent réduisant le taux d'attaque de 30%. Cet affaiblissement est supprimé lorsque le défenseur endure un debuff qui n'inflige pas de dégâts. Donc, ça prend des champions science et des champions qui n'infligent pas de dégâts, idéalement immunisés au poison aussi. Donc, allons voir le Ultron en boss. Donc, armure améliorée, donc armure renforcée 40% plus efficace. Encaisser une attaque énergétique ou physique active un buff de résistance. Donc, pas très compliqué comme borne, pardonnez-moi. La durée des buffs de l'attaquant est réduite de 3,5 secondes. Si celui-ci est un robot, il endure 60% de réduction de précision de compétence. Donc, pas de robot pour ma part, car les parades ne colleront pas. Il y aura 60% de chance que les parades ne collent pas. Livraison spéciale, je ne peux pas faire deux fois la même attaque. Et puisqu'il fera des évasions, je vais devoir trouver une bonne alternative. Donc, Jean-Jacques Légal, salut à toi, salut Léo et Pala, yo tout le monde, c'est Palaris. Je viens déjà de mettre Apocalypse 6 à 3, donc tu as un très bon duo, très très bon duo. Donc, content de te voir Jean-Jacques, plutôt facile cette QE, vous ne trouvez pas, jusqu'à présent, c'est facile. Mon 4 juillet est sur la chaîne de Pala. TG, je ne sais pas si c'est ce que je crois. Je ne sais pas si c'est ce que je crois. C'est moi.
Nico, JJLG22. D'accord. Aramis, Black Widow, Clairvoyante, en première 3. C'est bien, c'est très très bien. Très très bien. Intik, je vous laisse. Salut tout le monde, bon courage Alex. Je reviens plus tard pour la regarder. Eh bien, merci d'être passé. À plus tard. Bon Alex, j'ai partagé ton live partout. Eh bien, merci à toi Nico. Encore une fois, c'est toujours très 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 apprécié. Donc, champion science. Idéalement, qui n'inflige pas de... qui inflige des debuffs, qui n'inflige pas de dégâts. Donc, nous avons Void. Nous avons Hulk Immortel. Nous avons Miss Hulk. Je pourrais prendre Femme Invisible. Mais je crois que je ne la prendrai pas. Ensuite... Ensuite, pour le boss, donc, quelqu'un qui peut gérer les évasions. Donc, on a peut-être Sorcière Suprême. Et Corvus Proxima, sinon. Ghost peut très bien le faire aussi. Magneto. Je ne prendrai pas Corvus et Proxima puisque je ne chargerai pas mon Corvus. Donc Magneto sera une très très bonne option. Et nous allons prendre en dernier lieu. Donc j'ai hâte de prendre Profix avec moi. Très très hâte. Donc ce sera pour le tableau Muta. Si, c'est ce que tu crois, TG, parfait. Eh bien, GG, Azitoun, Jean-Jacques, moi j'ai Warlock, Cap, MCU et Fury en attaque. C'est très très bien, très grosse attaque, Jean-Jacques. Léo, il a dit TG. Donc, puisque nous allons nous faciliter la tâche, nous allons utiliser Hulk Immortel. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le but de Hulk Immortel est de monter le plus possible ses rages vers le SP2. Donc, plus il aura de rage, vous lancez votre SP2. Mais si vous perdez vos charges, il y a un petit truc que je trouve important à faire. Si, premièrement, nous allons provoquer le SP2 de Cap Marvel. Donc, ça n'a pas fonctionné du tout. Alors, le but est de placer quelques charges de rage avec vos attaques moyennes et ensuite de faire un brise-garde SP2. Ça doublera vos charges de rage. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de monter tous vos charges de rage jusqu'au SP2, eh bien, rendu au SP2, vous pouvez placer 4 charges de rage, faire un brise-garde plus SP2 et vous allez avoir 8 rages et vous allez taper très 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 fort. Top, ça moi MCU commence un peu à me saouler. C'est moi le meilleur YouTuber. Eh bien, je te le laisse Léo, je te laisse volontiers ce titre de meilleur YouTuber. Donc, on peut ramener ça à un meilleur YouTuber de MCOC. Donc, vous voyez que j'ai fait monter mes charges de rage. Et si je ne les perds pas, ce sera parfait. Mais je les prends. Je prends son SP1. Et là, j'ai 4 charges, 5... Brise-garde SP2, je monte à 11 charges. Et là... Et là, c'est terminé. Léo, la grosse tête. Vous avez vu Black Widow? Pas encore. Pas de spoil aussi. Mais oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Que le film n'était pas si excellent que ça. Donc, je vais... Je vais voir par moi-même lorsque j'irai le voir au cinéma.
Donc, Jean-Jacques, il y a un peu de taquinerie aussi de la part de Léo. Alors maintenant, Hulk immortel est à 1%. Mais ce n'est pas très grave. Et là, puisque je suis en temps de recharge, donc je ne suis plus immortel, je ne ferai pas je ne finirai pas mes combos par une attaque moyenne. On peut monter quelques charges de rage. Je l'ai vu et c'est ce que je pense aussi, mais j'en dirai pas plus. D'accord, j'ai bien hâte de voir. J'ai très très hâte de voir. Donc, je vais bientôt récupérer mes charges immortelles. Donc, mon immortalité. Et je peux mettre fin au combat sans aucun problème. Salut Alex et bonjour à tous. Salut à toi Black Cloud. Très content de te voir parmi nous. Donc j'espère que tu vas bien mon ami. Sert à quoi son SP3? Ça sert à rajouter 15 charges. Donc 15 charges persistantes. Donc si je suis à 0 et que je suis sur le... près du chaos, je peux lancer un SP3, je monte à 15 charges et je vais devenir immortel. Donc c'est à ça que ça sert, mais il est très très peu utile son SP3. Donc maintenant nous avons Tornade Pyramide X. Alors elle va dévier beaucoup d'attaques. Donc, je suis déjà à 6 furies. Donc, ce n'est pas si mal. Une charge de rage puisque elle a dévié tous mes attaques. Et voilà. Donc, prosternez-vous devant Diablo. Eh bien, Léo, j'ai fait des tests sur Diablo et pour vrai, j'adore le perso. J'ai bien hâte de sortir mes vidéos à ce sujet. Donc, je suis en plein montage présentement. Mais j'adore vraiment le perso et GG pour son éveil. Je crois que son éveil est très, très, très important. Et en plus, si vous jouez en suicide, Diablo sera vraiment une excellente option. Donc, je perds mes charges. Je fonce dans un SP1 imbloquable. Brise-garde SP2 et le combat sera terminé. Donc, ça tape trop fort. Diablo au-dessus de Namor, eh bien, ils ont deux utilités différentes. Donc, pour ma part, j'ai une préférence pour Diablo, en effet. Mais, Namor reste un très bon personnage, très utile. C'est quoi ce chat? J'ai dû me tromper. Apparemment, ce chat est réservé aux meilleurs YouTubers francophones. Donc...
Nous avons les meilleurs YouTubeurs francophones. Il en manque quelques-uns. Donc, je ne sais pas où est Ludo, alias NTM, MCOC, Mickey, Jouti et les autres. Donc, elle a les limbes, mais je ne m'en fais pas du tout. Puisque même si elle a les limbes, nous allons la mettre KO de façon très 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 violente. Donc, Hulk Immortel, toujours un plaisir de pouvoir l'apporter avec moi quand je peux. Ce n'est pas toujours évident de l'apporter, mais c'est toujours bien intéressant de l'avoir. Donc, maintenant, on demande de l'aide, une recharge d'énergie, et dirigeons-nous pour le boss. Alors, le boss Olive, salut Alex, salut les champions, salut à toi Olive, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui. Alors, j'espère que tu vas bien. On se rappelle les bornes, armure renforcée, résistance, fluctuation électrique et livraison spéciale. En plus, Ultron évade passivement une attaque à toutes les 7 secondes. Livraison spéciale, c'est vrai, ce n'est pas que je ne peux pas faire deux fois le même SP, mais j'ai simplement 15 attaques avant de lancer mon SP. Alors, nous allons cumuler un maximum nos prouesses. Je dois tenir le compte pour ne pas arriver à zéro et prendre une dégénérescence. Je crois que nous allons être en mesure de monter en SP3 et le combat sera terminé. Donc c'est pas mal, on peut monter en SP3 directement. C'est fait exprès que tu aies pas dit Taka dans les meilleurs YouTubers FR. Oui, c'est fait exprès, c'était une petite attaque personnelle. Non, pour vrai, Taka, il est toujours là. Aujourd'hui, il est pas là, donc j'ai cru qu'il était avec nous. Avec Magneto, livraison spéciale, s'active pas, Alex. Eh bien, Yanju, il y a 30% de chances qu'elle s'active. Donc, en effet, tu as tout à fait raison. Il y a de très, très, très fortes chances que livraison spéciale ne s'active pas, mais il y a 30% de chances qu'elle s'active. Donc, 1450 éclats 5, nous sommes près de 6 étoiles. Alors, peut-être qu'à la fin du live, nous allons ouvrir un 6 étoiles. Donc, je serais très content. Taka, il rage trop pour faire partie des meilleurs. Eh bien, tu as peut-être raison. Est-ce un tableau mutant? S'il vous plaît, tech. Donc, chaque fois qu'un attaquant tech inflige un debuff de brise-armure au défenseur, le défenseur encaisse aussi un blocage des soins passifs pendant 10 secondes. Donc, ces bornes sont tout simplement incroyables. Ils font en sorte que vous allez rouler. Si vous avez les bons champions, vous allez rouler sur cette ligne, sur ce tableau. Donc, chaque fois que les attaquants... les soins sont bloqués. Pardonnez-moi, je recommence. Chaque fois que les soins sont bloqués sur l'adversaire, eh bien, vous allez gagner une furie passive qui augmente l'attaque. Et toutes les 15 secondes, le défenseur régénère passivement 7% de sa santé. Et on ne peut inverser les compétences de régénération. Donc, c'est un tableau tech. Maintenant, allons voir le boss. Donc, c'est Hulk Ragnarok. Résistance physique, agression prouesse, efficacité de pouvoir du sang dans l'eau et relation à distance. Donc, je n'ai aucun malaise d'apporter avec moi Nick Fury. Peut-être bien Profix, pourquoi pas, simplement pour s'amuser avec lui. Il y a Legacy, C-Team, MSD et les autres qui doivent arriver. Ta réputation est désormais internationale. Oui, qu'ils arrivent. Nous les attendrons.
Alors, Nick Fury sera probablement la meilleure option pour notre cher Hulk Ragnarok en boss. J'apporte Profix pour le simple plaisir de le faire. Ensuite, c'est définitivement un tableau fait pour Hulk Buster aussi. Donc, si vous avez Hulk Buster, prenez-le. Et selon la vidéo à Léo, je crois que j'ai vu le mois dernier, le vautour serait une excellente option pour ce tableau aussi. Donc, testons par curiosité et par plaisir aussi. Donc, je crois que le rework de Ultron serait très bien. Civil Warrior est très bien. Sentinel est aussi très très bien. Howard le Doc sera très bien aussi puisqu'il inflige bloc de soins sur SP1. Spider-Man furtif, pas furtif, mais Stark sur Brise-Garde inflige Drain Pouvoir. Iron Man Infinity War. Donc, c'est vraiment un tableau adapté pour plusieurs champions tech, donc Docteur Octopus aussi. Alors, utilisons ces champions. Ça serait top, mais j'y crois peu. En vrai, je rage plus que lui, mais chut. Toi déjà, on voit jamais ta tête. Alors, les petites vannes dans les chats. Mais t'es pas un vrai YouTuber. Oh là 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 là. Coup dur pour Pala. Pour Pala. Je crois que c'est une taquinerie. Magneto fait bien le Hulk. Ragnar, je crois, Alex. J'ai dû le faire avec. Eh bien, je n'en doute pas une seconde. Il ne fait plus de contenu en live et très très peu en vidéo. Donc oui, Yanju, je suis très d'accord que Magneto fera un très très bon travail sur le Hulk Ragnarok. Je veux prendre Profix simplement pour m'amuser avec lui. Et on va le faire fondre, on va le vider de son sang avec Nick Fury si jamais ça ne fonctionne pas. Donc je crois qu'avec le SP1, nous allons drainer du pouvoir. Je me trompe peut-être de borne au final. Allons-y avec un SP2 pour infliger de bons dégâts d'énergie. Ah, je crois que le brise-garde inflige un brise-armure. Ou ça prend quelques charges. Oui, ça prend 25 charges. Vous infligez brise-armure. Donc, brise-armure inflige blocage de soins. D'accord. Donc, je comprends maintenant. Et voilà. Donc, on fait très très mal. Mardaï, Alex, on va le vider de son sang. Je viens de m'abonner, Alex. Eh bien, un très grand merci à toi, Jean-Jacques. Merci beaucoup de ta confiance. Merci beaucoup pour l'abonnement. C'est vraiment très apprécié. Donc, ce n'est pas une bonne expression. On va le vider de son sang. Xenos, pardonne-moi. Alors, je pourrais prendre Hulk Buster pour Havoc, mais ce sera plus tranquille avec Warlock, puisque Warlock a constamment une armure sur lui. Contrairement à Hulk Buster, où il peut perdre ses armures pour différentes raisons. Pour nous infliger brise armure, je crois. Oups. Et des décharges. Donc, c'est très expéditif avec Warlock. Si je peux placer un brise-garde avec deux brise-armure.
ont fait des dégâts de segment de plus de 1400. Alors, c'est parfait. Que maintenant t'aurais dû le faire depuis longtemps, Jean-Jacques? Eh bien, l'important, c'est l'abonnement. Donc, c'est vraiment très apprécié, Jean-Jacques. Plus on fait tourner, plus je me fais connaître, plus on s'abonne. Et ça ne fait que qu'améliorer cette grande expérience YouTube pour moi. Donc, j'en suis toujours très content. Mort de rire, c'est moi qui lui ai fait découvrir la chaîne YouTube, mon pala. C'est une des futures recrues. Oh, Jean-Jacques va jouer avec Nico et Pala. Donc, pour l'instant, je me soucie peu du buff de régénération. Donc, c'était plutôt raté. Il faut être très, très prudent contre Thor Ragnarok. Donc, j'ai mes 10 furies, donc je n'aurais pas pu en prendre. Prochain live, je m'abonne au Palarus devra faire un live. Donc, c'est grâce à Nico. Eh bien, merci à toi, Nico. C'est vraiment très gentil de tout ce que tu fais pour ma chaîne. Donc, Jabari et Panthère, toujours une championne que je déteste jouer. Alors, allons-y avec Warlock pour infliger une infection rapidement. Donc, nous avons 8 furies, 1 SP2. Et, oh, le brise-garde de 69 000 en coup critique. Avec Ice, elle passe crème. Peut-être bien, oui. Je ne connais pas assez Jabari pour en connaître tout. Toutes ses utilités et ses contres aussi. Donc, restons avec Warlock, simplement parce que ça va très très bien. C'est avec un immense plaisir que je l'ai fait. Eh bien, un très grand merci à toi, mon cher Nico. Donc, j'adore vraiment tout le côté entraide de cette chaîne. Donc, j'essaie de sortir un maximum de vidéos qui fait plaisir. Qui peut aider un maximum aussi. Et le SP2, c'est terminé. Alors, plus que Hulkbuster avant le boss. Donc, soyez indulgents avec mon improfix. Puisque j'y suis encore très peu habitué, j'apprends encore à le maîtriser. Nico, ça rime avec Fayot. Fayot, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, je ne saurais commenter ceci. Thank you.
Et voilà, c'est terminé avec Warlock. Moi, je vais pas groupe 1. Il nous faut des gens habitués à la QA 6-7 au vu de ce qu'on a fait hier. Eh bien, je sais que la QA 7 est très difficile maintenant. Ah, d'accord, d'accord. Merci, merci Nico. Donc, on se rappelle des bornes. Résistance physique, prouesse, efficacité de pouvoir, relation à distance et du sang dans l'eau. Donc, allons-y avec Profix. Profix, le nouveau jouet d'Alex. Hâte de voir ça. Régale-toi du Hulk. Eh bien, merci. Et je crois qu'il serait une très bonne option puisque avec Profix, on joue beaucoup à distance. C'est vrai. Le SP2, les SP coûtent 50% moins de pouvoir. Donc, on fait monter le prouesse. Et voilà. Donc, maintenant, on fait descendre le nombre de prouesses que Hulk a sur lui. Car si je me fais avoir avec 9 prouesses, je crois que je suis mort. Maintenant, 13 prouesses. Ouh là là. Ouh là 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 là. Que ça, ceci a fait très mal. Oh non. Oh là 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 là. Donc, t'inquiète, pas de problème. Mais non, c'est pas difficile de m'en derrière. Il y a juste trop de bourrins dans notre groupe. Je n'aimerais personne. Prochaine cassette sera mieux organisée. Il faut que je finisse mon tableau avec toutes les lignes et bornes, c'est long. En effet. Donc, j'ai été téméraire et c'est le problème. Lorsque je joue Profix, je suis trop téméraire au lieu de prendre mon temps. Donc, j'adore ce personnage. Plaçons segment interne. Ah, il ne faut pas que je place des segments internes avec Hulk Ragnarok. Donc, lorsque je place un segment interne avec Hulk Ragnarok, eh bien, il régénère sur les segments, sur les debuffs. Donc, c'est toujours un peu plus long dans ces circonstances. Et je replace un autre segment. Et voilà. Donc, rest in peace, Profix. Oui, je me reprends sur les prochains tableaux. Donc, je veux vraiment... Hein, comme je vous ai dit, soyez indulgents car je le maîtrise encore que très peu. Donc, prochaine quête. Patrice, salut à toi. Donc, bonjour ici, salut à toi. Très content de te voir. Donc, bienvenue. Maintenant, c'est l'heure du Yellow Jacket. Donc, champion plus agressif. Alors, ça, j'aime ça. Surcharge arc, c'est OK. Chaque fois qu'un buff sur le défenseur expire, si l'attaquant réussit une attaque puissante ou un super pouvoir dans les 4 secondes, le défenseur subit une défaillance pendant 4 secondes. Les défaillances, 100% de chance de manquer leurs attaques. Parfait, super pouvoir amélioré 1 et tant qu'ils sont atteints. Donc c'est tant mieux, j'ai Profix. Profix va empêcher les attaques de manquer. Donc maintenant, allons chercher la ligne facile ici. Voir rouge,
les attaquants mutants réduisent la puissance des debuffs de segment de 90% et en activant un super pouvoir, ils suppriment tous les effets de segment sur eux lorsque cela se produit. Leur précision de compétence augmente, gagnent une furie, ligne biorisque et la durée des segments sont augmentées de 100%. Alors, pour ce qui est du Yellow Jacket, Nick Fury pourrait très bien faire le boulot. Les champions qui évitent les attaques manquées, comme Spidey Furtif, par exemple, serait une très bonne option aussi. Magneto aussi, puisque Yellow Jacket est magnétisé, donc trois très bonnes options pour ce combat. Donc, sortons les champions mutants. Alors, définitivement, nous allons apporter Magneto, Colossus, Omega et Apocalypse. Donc, je crois que nous allons être très bien équipés pour faire cette ligne. Alors, testons. Donc, premier combat, nous avons un Profix. Alors, nous allons avoir un mutant avec Apocalypse. Ça se fera très très bien. Puis, Apocalypse gagnera aussi l'immunité à segment. Donc, gagnera plus facile en furie. Ensuite, nous allons pouvoir passer un champion en cavalier de l'Apocalypse. Et il ne faut pas que je tape dans la garde. Donc, le debuff de défaillance de Profix, il faut que je m'en rappelle. SP2. Et j'ai mon immunité au segment. Et je crois que le combat sera terminé. Il manque 3 pouces, les amis. Nolal, par exemple, la variation de Magia Red, c'est Lignon, c'est Acid Wash, mais celle de Magneto Rouge, c'est Can't Stop, Won't Stop. Ok, d'accord. Donc, il manque 3 pouces. Donc, pour faire 2 différents tableaux, on fait péter les pouces bleus. Allez. Ensuite, nous avons Medusa. Je me demande qui je vais passer. Cavalier de l'Apocalypse. Je crois que ce sera... Ce sera Profix. Donc, aucune obligation pour les pouces bleus, mais si le contenu vous plaît, si vous voulez m'encourager, des pouces bleus, c'est toujours très apprécié. Je provoque son SP1.
Donc, je suis allé chercher 5 prouesses. Maintenant, le but sera de monter au-dessus du SP2. Et aller chercher 100 charges. Ensuite, on lance un gros SP2. Et voilà. Donc, c'était inutile d'aller chercher autant de prouesses. Mais bon. J'en étais sûr de Profix, un chevalier. J'ai hésité entre lui et Colossus, en toute honnêteté, Nico. Salut, désolé, je dois utiliser 30 énergies en quête avant 10 jours et avec les bugs, j'ai besoin de concentration. Ça ne doit pas être facile, en effet. Jusqu'à présent, ça ne m'a pas trop causé de problème. Nous allons faire monter ces charges de cérébraux pour ensuite laisser place à Colossus pour le restant de la quête. Donc, je dois gagner un combat supplémentaire. Donc, je suis à 100 charges de cérébraux. Maintenant, je dois monter. Je vais monter en SP3. Donc, lancer un SP en canalisation me fera gagner une prouesse. Et ensuite, bloquer ou frapper après m'en fera gagner une seconde. Et voilà. Donc, on termine à 100%. Salut Eden, Nakiba, ça lui donne quoi d'être un chevalier à Profix? C'est au même titre que tous les cavaliers. Il n'a pas de synergie particulière avec Apocalypse, mais 100% de résistance au segment en bonus. Donc, je ne prends aucun dégât de segment et je régénère avec volonté. Une prouesse supplémentaire indéfinie qui augmente de 5%, de 50% les dégâts de super pouvoir, 30% de précision de compétence offensive, devient imbloquable pendant 2 secondes lorsque l'adversaire purifie un debuff, et une fois par combat, il devient irrésistible lorsque je me fais frapper. Donc, c'est une très bonne chose à avoir. Reste à bit, yo Alex, le Québécois préféré de MCOC. Comment ça va? Je vais très bien, mon ami. J'espère que tu vas tout aussi bien que moi. Donc, avec Groot, il faut être plus rapide sur les brise-gardes. Donc, je crois que je vais utiliser mon debuff de défaillance afin de m'aider à monter plus rapidement en charge. Donc, je suis à 90 et j'ai tapé dans la garde, ce qu'il ne faut pas faire sur une ligne biorisque. Je vais toutefois régénérer avec volonté. Donc, le combat devrait être terminé. Ah, ok, c'est top. Ça me fait plaisir, Nakibal. Et voilà. Donc, c'est terminé. Ce n'est vraiment pas si difficile avec Profix, donc c'est sûr qu'il est 6 à 3 aussi, mais c'est tellement un gros champion que
il roule sur beaucoup de quêtes. Donc maintenant, charge de cérébro à 4. Donc lorsque les charges de cérébro sont à 4, augmente la puissance des synergies de Professeur X. Donc, les synergies. Alors, allons regarder pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, le fait d'avoir Professeur X seulement augmente de 25% des dégâts de super pouvoir pour chaque charge de cérébro. Donc, je vais faire 100% plus de dégâts de super pouvoir. Résistance au poison de 18%, donc jusqu'à 72% maintenant. Et je commence avec un buff d'armure renforcé. Puis 15% de durée de prouesse, mais je n'ai pas cette synergie ici. Donc, on a de très très belles synergies et on va faire très 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 mal. Quelqu'un a fait le défi de Karina Lucky. Pas moi, pas encore, mais ça ne saurait tarder probablement. Donc, Omega Red dans la synergie fait en sorte que pour chaque armure, je gagne 2% d'attaque supplémentaire par armure. Donc, si je fais seulement parade brise-garde, je ne sais pas si je vais me rendre à mon SP2. Donc, c'est tout simplement abuser les dégâts. Moi, pas encore. Il faut que je regarde lesquels je peux faire. Il faut aussi que je monte plusieurs champions pour les différents défis de Karina. Je ne les ai pas tous montés encore. Donc, j'ai bien hâte de voir. Oui, un live de Palace serait très intéressant sur les défis de Karina. Donc, je ne chercherai pas trop les brise-gardes. Je me dis que je vais focusser sur les parades, mais les parades sont brisées. Alors, regardons ce que nous allons pouvoir faire. Donc, pas de coup critique. En plus des furies. Donc, 16 000 de critiques sur attaque moyenne. Donc, Colossus, un très gros monstre avec les bonnes synergies. Faut prendre quel passage, Yann? Namor éveillé à 200, Colossus éveillé ou Apocalypse non éveillé en 5R5? Eh bien, je dirais Apocalypse pour commencer. Ensuite, tout dépend de ton utilité, mais soit Colossus ou Namor. Mais je mettrai en priorité Apocalypse. Je décroche un moment, à plus tard. Eh bien, sans problème, merci d'être passé, Nakibal. À tout à l'heure. Voilà, même Alex dit qu'il faut que tu lèves le défi, mon pala. Tu peux pas te défiler. En effet. Donc, mes attaques ne peuvent rater. Alors, je ne me fais vraiment aucun souci avec... Profix. Donc, je dois être au-dessus de 25 charges. Par contre, donc une fois que je suis au-dessus de 25 charges, il n'y a plus aucun problème. Je ne comprends pas le buff. De...
Quelqu'un sait pourquoi j'ai pris un dard puissant en bloquant le coup? Donc, nous allons démolir maintenant Yellow Jacket. Avec 4 charges de cérébraux, nous allons gagner 4 prouesses après le SP3. Après 25 charges, je ne me soucie plus du debuff de défaillance. Et ceci a fait très très mal, donc je prendrai le KO. Ah là là, dommage, dommage. Pour Alex et Pala, vous ne feriez pas un live vaincu? Ça serait possible ou pas du tout? Ça pourrait être possible. Ah, l'SP est imbloquable, mais tu étais irrésistible grâce au cavalier. Donc, il ne t'a pas renversé, mais tu as pris le vent. Parfait, merci beaucoup, Pala. Donc, encore une fois, je me loupe avec Profix. Donc, un jour, je serai maître de Profix. Je suis encore en apprentissage. Et on veut un très gros SP2. Coup critique, s'il vous plaît. 25 000. Un peu déçu. Un peu déçu. Je crois peut-être que Profix doit être en vie pour profiter des bonus de Profix. On prend toujours un dard quand on bloque pour full dex. Eh bien, merci beaucoup de vos explications. Merci beaucoup. Donc, je me suis loupé un peu, mais ce n'est pas très grave. Donc, il me manque 1900 éclassis pour ouvrir un 6 étoiles. Donc, un petit 6 étoiles à la fin du live sera fort apprécié. Gravier cosmique. Donc, je vais gagner des buffs d'aptitude. Et les attaquants cosmiques qui atteignent un total de 3 buffs de furie, d'armure renforcée ou de précision gagnent un buff d'aptitude indéfinie et ça augmente l'attaque. Et ce défenseur encaisse 60% moins de dégâts tant que l'attaquant ne possède aucun buff sur lui. Pour chaque buff actif sur l'attaquant, cette réduction des dégâts est réduite de 20% jusqu'à ce qu'elle atteigne 0. Ces buffs peuvent être du même type. Donc, c'est vraiment un tableau pour Angela, selon moi, sans aucun doute. Hercule, exploit d'endurance. Donc, Hercule, en tant que défenseur, gagne accès à un exploit supplémentaire qui fonctionne de la même manière que ses exploits d'équipe de base. Un des deux champions doit atteindre 10 coups dans son compteur de combo. C'est l'exploit supplémentaire parfait. Les attaques du défenseur ignorent évasion et manqué. Donc, Profix ne fonctionnera pas si je veux aller avec la défaillance Ghost, par exemple. Borne anti-Ghost. Chaque fois que ce champion subit un debuff auquel il est immunisé, il régénère 33% d'une barre de pouvoir. Ça ne me dérange pas trop. Chaque debuff sur l'attaquant diminue sa précision de compétence défensive de 30%.
et le défenseur a une protection indéfinie réduisant tous les dégâts encaissés de 90%, ton montant de recharge lorsque renversé. Donc, je dois renverser Hercule pour faire un maximum de dégâts. Donc, allons chercher nos champions cosmiques. Et pourquoi pas, Doom, je crois, serait un très très bon champion contre Hercule. Alors, champion cosmique. Angela est définitivement une très très bonne championne pour ce tableau. Cosmic Ghost Rider, Hyperion aussi. Et allons chercher dans nos champions cosmiques. Dr. Doom. Et Sorcière Spell. Donc, comme mentionné, essayons avec Doom. Je crois que ce sera une très bonne option. Petite latence. Aramis, si tu écoutes toujours, est-ce que le debuff de l'art puissant que tu le prends dans la garde, c'est depuis son rework ou ça l'a toujours été comme ça, car il me semble que ça n'était pas comme ça avant. Alors, le but sera de faire monter nos buffs. Et vous allez voir qu'avec Angela, c'est très rapide. Avec tous les debuffs de Brise Armure. Donc, c'est seulement une 5R4. Salut les noobs, salut Taka. J'espère que tu vas bien. Donc, nous sommes rendus au tableau d'Hercule et nous avons commencé les objectifs solo des lunettes. Non, avant tu pouvais bloquer sans prendre le dard. Mad Game, salut à toi aussi, j'espère que tu vas bien. Donc pour Sentinel, j'aurais peut-être dû prendre Cosmic Ghost Rider, puisque il a un très bon taux de coup critique. Avec son buff de précision. Mais je crois tout de même que Angela va anéantir Sentinel. Donc, nous avons 3 buffs de furie. Donc, on fait de moins en moins de coups critiques dû à la compétence de Sentinelle. Donc, c'est réussi toutefois. Je ne jouais pas avant le rework, donc je ne peux pas trop répondre. Donc, Aramis, tu es relativement nouveau sur le jeu. Salut, Takanoob. Oui, est-ce que tu lives ce soir, Taka? Je veux savoir si je ne te regarderai pas ou si je vais... si je vais être au boulot. Donc, ce soir, je serai au boulot. Donc, je ne pourrai pas... je ne pourrai malheureusement pas te regarder. J'essaierai de passer dire un coucou. Regardez-moi les dégâts. Donc, c'est vraiment... Angela, la MVP.
C'est vrai, Taka est sur une série pour explorer tout le 7.2. Donc, si vous êtes attentif, si vous vous abonnez à sa chaîne, vous allez voir tout ce qui arrive sur sa chaîne. Donc, il enchaîne beaucoup 17. Il aura de très très bonnes récompenses à la fin de l'acte 7.2. Donc, vas-y, fonce, Taka. Donc, Iron Man, je dois faire attention. Mais je peux briser toutes ses armures et des attaques moyennes à plus de 25 000. Donc, c'est parfait. J'adore. De dégâts avec 6 armures sur lui. Donc c'est terminé. Demain 14h le 7.2.5 et dimanche 14h le 7.2.6. Donc beaucoup de live. C'était très garni cette semaine en live dans la communauté française de Marvel Tournoi des Champions. Alors, restons avec Angela. Je viens que si tu rages. Eh bien, vous savez que si vous regardez un live de Taka MCOC, vous savez que vous allez être servi en termes de rage. Ce qui est bien d'Angela contre le gardien. On place un debuff de brise armure lorsqu'on lance notre esprit. Donc, il ne bloquera jamais les esprits lorsque nous allons le lancer sur notre adversaire. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de la QE cavalier, donc du chapitre 3.1 du moins. Donc, un Psychoman et un Hercule, je crois. Taka, il est au taquet à ce rythme. En septembre, il aura déjà une dizaine de 6R4. Eh bien, oui, ça vaut le coup de forcer. Ça vaut le coup d'avancer rapidement pour aller chercher un maximum de récompenses. Donc, un gros GG à toi, Taka, de forcer autant, de pousser, de faire beaucoup de live à ce sujet. Donc, ça peut en aider vraiment plusieurs. Donc, on provoque le SP1 de Psychoman. Oh là là. Donc, je ne sais trop ce qui s'est produit, mais je me suis raté un peu. Et je ne dois pas... Je ne devrais pas contre-attaquer après le SP1 de Psychoman. Mais nous allons attendre la parade. Allez. Il ne veut pas. Alors nous allons forcer. 41 000 de dégâts. Et voilà. En ce moment, Taka se contient énormément sur ce live, je trouve. Chapeau à lui. Il prend exemple du meilleur, donc, c'est-à-dire moi.
et il calme son jeu. Ouais, je suis en retard sur le jeu Acte 7.2, Abyss et Karina, plus le Summer of Pain et YouTube. Bienvenue dans la galère. MCOC, Taka, je suis à la même place que toi. J'ai réussi à faire beaucoup. Et il me reste toujours les vidéos des reworks du mois de juillet que je suis en montage. Donc, elle ne sortira pas aujourd'hui puisque je dois partir travailler après ce live. Donc, je dois renverser le champion un maximum. Donc, allons-y avec Hercule. Salut à toi, Oli. Bien content de te voir. J'espère que tu vas bien. Et il est immunisé aux étourdissements dans certaines circonstances, mais je ne me rappelle plus lesquelles. Donc, je crois que c'est lorsqu'il y a le debuff d'enragé. Donc, de provocation. Donc, je ne suis pas trop sûr. Donc, des fois, je peux le stun. Des fois, non. Donc, maintenant, je peux le stun. Lançons un SP3. J'ai un peu plus de temps, donc re-bienvenue, mon cher Eden. Content de te revoir. Ouais, je suis deg. Il y a plein de trucs sur le jeu en ce moment, mais pas le temps de tout couvrir. Il faudrait 30 heures dans la journée. Eh bien là, il n'est... Oh là 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 là! Ok, ça risque de faire très mal. Eh oui, ça va faire très très mal. Donc, une seconde avant de lancer mon SP3, il était étourdi. Et après avoir lancé mon SP3, il n'était plus étourdi. Donc, c'est dommage. Allons-y. Faut pas le renverser, mais en même temps, il faut le renverser pour enlever sa protection. Mais c'est vrai, le renverser lui donne une force, donc devient Immustan. Tu as raison, Eden, tu as raison. Et Taka, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, j'ai l'impression de manquer énormément de temps entre la vraie vie, entre YouTube, entre tout ce qui se trouve sur MCOC en ce moment. C'est assez intense. Et moi, je fonce sur ceci. Je vais aller chercher le debuff de brise armure. Tu as moins 30% de compétences pour chaque debuff. Eh bien, merci. Ah, c'est peut-être ça aussi. Je suis en train de faire des courses. Donc, présentement, j'ai un debuff actif. Alors, moins 30% de compétences. Maintenant, je n'en ai plus. Oh là là! Et moi, j'ai dit... Je vais faire une parade sur le SP, mais le SP est imbloquable, je crois. Donc, je vais y parvenir. Donc, sur le petit compte, j'ai passé avec Sorcière Suprême plutôt facilement. Allez, je veux. Un gros SP2. Mais la protection active, ça n'a pas donné ce que j'aurais aimé.
Donc, je n'avais pas de buff sur moi. Aucune force active. On renverse. L'ESP n'était pas imbloquable. Allez, on renverse à nouveau. Et il va devenir irrésistible, pas irrésistible, mais imbloquable. Et il m'a eu. Nous allons. Finir. Par le mettre KO. Et voilà. Donc, il n'est pas devenu immortel, puisque à mon cinquième jugement, je place un debuff de damnation qui empêche tout buff de se produire et qui enlève tous les buffs qui sont présents. Donc, lorsque vous activez cette damnation, en fin de combat, vous allez empêcher Hercule de devenir immortel. Fais attention avec le caddie, c'est pas possible. Parade sur respect imbloquable. Eh bien oui. Est-ce que Hercule serait un sinistre caché? Peut-être. Peut-être bien. Mais c'est de l'histoire ancienne maintenant. Dernier tableau de ce live, nous avons America Chavez. Donc, retour en force lorsqu'elle est sous les 30% de sa santé maximale, America Chavez devient super chargée. Elle est plus agressive. Chaque 7 secondes, le défenseur gagne un effet de protection réduisant tous les dégâts de 10%. Supprime toutes les accumulations en interrompant l'attaque puissante du défenseur. Donc, lorsqu'elle va charger une attaque puissante, je devrais la contre-attaquer et ça réinitialisera cette réduction des dégâts et prise au piège. Parfait. Ligne facile égale cadre mauve. Donc ici avec Venom Pool. Donc à chaque fois qu'un attaquant mystique remplit une barre de pouvoir, il gagne une prouesse passive qui augmente les dégâts. Persévérance, lorsque le défenseur active un super pouvoir, il gagne un buff d'immunité à étourdissement pendant 6 secondes. Et 2 secondes de plus pour chacun des buffs uniques du défenseur. Ce buff est mis en pause pendant les super pouvoirs du défenseur. Donc, lorsque je vais purger un buff, ma prouesse passive passera en prouesse. Ma prouesse active passera en prouesse passive. Salut John, très content de te voir parmi nous. J'espère que tu vas bien. Je vais très très bien, mon ami. J'espère que tu vas tout aussi bien que moi. Donc, je vais aller voir en QA si le boss est déborné. Donc, puisque je veux récupérer ma torche pour America Chavez, je crois que ce sera une très bonne option. Torche que j'ai tout récemment éveillée. Donc, regardons qui est en combat. Donc, nous avons Red Dead en combat. Alors, il se pourrait qu'il one-shot ce Apocalypse. Donc, ça ne me laisse pas la chance, malheureusement. Mais j'aime bien me battre contre Apocalypse en QA7 avec Guillaume99 au lieu de Tigra. Donc, ça fait un peu changement. Donc, si vous êtes légèrement patient, je vais pouvoir récupérer le perso que je veux. Il va OS, oui, il OS toujours ce Red Dead. Donc, attendons à le voir. Pack de cristaux Black Widow. Oh, merci Kabam pour Black Widow et Red Guardian 3 étoiles.
Très apprécié. Donc, nous allons récupérer nos récompenses. Le 20 et gardien rouge 10 fois dans les arènes ou les duels. Donc, il y a... Est-ce qu'il y a une side quest, une autre side quest qui se rajoute à tout et qui donne des cristals, des éclats de cristal du grand? Oh, il n'a pas OS, donc c'est très très rare. Alors, terminons le Apocalypse en QA7. Puis, allons-y. Merci Kabam, ça va servir qu'aux petits invocateurs, probablement. Donc, il y a la borne clairvoyance aussi, donc je vais pouvoir gagner un buff de feu. Je le force à ne pas lasser son SP1. Et voilà. Donc, le G3 pourra récupérer ses persos. Donc, oui, c'est beaucoup pour la collection, en effet. Tu l'as chopé, si c'est toi le Red Gardien, Alex? Oui, dans les dans mon opening du 4 juillet. C'est bien, Alex, tu as récupéré ta photo de profil en 3 étoiles. Merci beaucoup. Alors, maintenant, tableau mystique, et nous avons une America Chavez mystique. Alors, je pourrais aller chercher Skynet, très content de te voir, et j'espère que tu vas bien. Alors, allons récupérer notre torche. Et puisque c'est un tableau mystique, allons chercher nos champions mystiques. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Donc, les persos restent comme si j'avais cliqué dessus. Donc, prenons Morningstar et la torche maintenant. Allons-y, comme ceci. Ça va très bien, merci. Ça va très très bien. GG, merci à toi, Xenos. J'avais fait le Dark Arc avec elle, trop forte. Avec qui exactement? Yanju. Ah, voilà. Donc, il y a un petit bug, malheureusement. Je vais devoir fermer le jeu et le repartir. Donc, désolé pour ceci. Alors, ça ne devrait pas être très long. Donc, la complétion prend un peu plus de temps que la normale. Mais ce n'est pas grave. J'ai beaucoup de plaisir avec vous. Ludo a eu Spider-Man dans un Nexus. C'est chanceux. Eh bien, un gros GG à lui. C'est très, très bien. Un très bon champion. Donc, maintenant, nous pouvons avancer tranquillement. Donc, je recherche la ligne simple qui est la ligne D. Guillaume 2099, Yanju, oui, en effet. En effet, beaucoup la sous-estiment, mais elle reste une très très grosse championne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'Alex est dans le CCP, il y a plein de bugs. Eh bien, ça se pourrait que ce soit dû au CCP. Donc, allons nous faire plaisir avec Morningstar. Donc, amusons-nous. Allons chercher les SP3.
Et voilà. Donc, premier split one, nous allons aller chercher une autre charge. Salut Alex, je te suis et j'ai fait la quête en même temps. C'est Dr. Doom. Eh bien, salut à toi, Princey. Je suis content de te voir avec moi. Content de voir que tu fais la quête en même temps. Donc, c'est très cool de te voir parmi nous. Donc, nous avons bientôt terminé. Il reste qu'une ligne et un boss. Il est devenu imbloquable, irrésistible. Donc, toujours embêtant lorsque Venompool devient irrésistible. Tac à live dans 30 minutes. Je crois que c'est maintenant 20 minutes. Je crois qu'il live à 14h. Pour moi, il sera 14h, donc 20h pour la France. Donc, montons. Morningstar à 5 charges. Donc, je l'utilise que très peu, seulement en incursion maintenant. Alors, si elle peut me servir un peu, pourquoi pas l'utiliser dans certaines cas. Et j'ai raté la réplique avec mon brise-garde. Donc, je peux lancer mon SP3. J'ai des cales, si ça prend plus de temps pour Alex, eh bien, ça devrait être terminé puisque je vais partir au travail de toute façon. Donc, il n'y a pas de stress. Tu peux live à l'heure que tu veux. Je crois qu'une quinzaine de minutes maximum et j'aurai terminé. J'ai mal créé la distance. Et voilà. Donc, c'est terminé pour Endal. Tu pourras nous montrer les passages les plus simples de la QE. Eh bien, c'est les chemins que j'ai pris tout au long du live. Donc, ce sont les chemins qui sont encadrés d'un mauve. Donc, vous voyez, tous ceux-ci sont entourés d'un cadre orange. Ce qui fait qu'il y a une borne supplémentaire à ceci. Donc, tous ceux qui auront des bornes mauves, donc un cadre mauve, vous allez avoir une borne en moins. Je te suis sur TV et je joue sur mon phone. Je suis sur la même quête que toi. Tu as vu mon Shang-Chi? Eh bien, je vais prendre le temps de te lire par la suite. Puisque je suis en plein combat. Donc ça ne sera pas très long. Oh là là! Donc, les SP2 de Morningstar m'a bien eu. Tu as vu mon Shang-Chi 6 étoiles, je suis trop content. Tu penses qu'il mérite le R3 non doublé. Je t'ai dit, fonce pour le Shang-Chi 6 étoiles non doublé.
Allez. Fais ton spé. Je vais essayer d'éviter le spé 2. Puisque je l'ai pris en plein visage. Et si je réussis à jouer Morningstar en full Immustun, je pourrai régénérer sur le prochain combat. Oh là là. Donc, c'est raté. Il vaut quoi, Bishop et son nouveau rework? Eh bien, j'aime beaucoup le rework de Bishop. Par contre, je pense que ce n'est pas le meilleur rework des trois. Thierry demande à Taka. Pourquoi exactement? Je crois que j'ai manqué quelque chose. Donc, avec Sorcière Suprême, je ne prendrai pas de segment puisque mes coups sont ne sont pas physiques. Donc, Shang-Chi, c'est Clacax, vive Moleman. J'adore Moleman aussi. Vous nous répète, quand une incursion Taka, Alex, c'était top la dernière fois. Eh bien, moi et Taka, il faudra s'en reparler. Palerus aussi, ça pourrait être bien. Une incursion avec lui. Punisher 2090. Donc, maintenant, assez traîné. Lançons-nous avec Dr. Doom et faisons de très très gros dommages. Donc, on libère la full puissance de Dr. Doom. Ah, c'est vrai. Ah, là. Il va faire en sorte qu'il va me faire perdre en pouvoir. Donc, allons-y simplement avec des SP2. Avec 3 prouesses, ça fera très mal. Et voilà. La torche est vraiment bien pour Chavez. Je viens de la OS avec ma torche. Eh bien, c'était mon plan de match et mon seul pour l'instant. Sur une ligne de l'acte 7, il y a un heal à embêter un peu. Vilain Bishop. Et oui, je crois qu'il est rendu très très bon défenseur. Mais en attaque, il me laisse un peu froid. Donc, je ne déteste pas son rework, mais je ne le montrerai pas rang 2. Donc, je l'ai en 6 étoiles et je ne le montrerai pas rang 2. J'ai beau bloquer et le vieux Logan
lance ses SP. Donc, maintenant, ça ne sera plus très long. Palor, faudrait que tu montes ta tête, voir si tous les youtubeurs canadiens ont la même barbe. Eh bien, je te confirme que non. Et je ne sais pas pour Palor, par contre. Donc, ensuite, on arrive, je crois, maintenant à America Chavez. Non, il reste un King Root à faire juste avant. Donc, allons-y avec Doom. Et je crois que nous allons pouvoir ouvrir un 6 étoiles par la suite. Merci à la résistance. C'est terminé. Pala a 14 ans, mort de rire. Pour les incursions, je préfère les faire avec des inconnus, mort de rire, tellement je suis pas confiant. Oh! D'accord. Moi, je déteste, j'ai horreur de les faire avec des inconnus. Je suis toujours déçu. Ah non, moi, je suis imberbe, déchet imberbe. 50. Taka le Bishop, il t'a légèrement chatouillé par rapport à la ligne 17.2.1. Entre 20 et 30, pas plus. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis, Eden, par rapport aux incursions. Alors, on applique la Flamme Nova. Et ce n'est pas le temps de prendre un KO. Oh mon Dieu. qu'est-ce que je viens de dire? Alors, je n'ai pas regardé les bornes. Le SP2, je ne savais pas qu'il devenait imbloquable. Donc, plus agressive, lorsqu'il est sous 30, devient surchargé. Donc, allons-y avec Doom. Salut à toi, Reverse. Très content de te voir. Donc, j'espère que tu vas bien. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. Donc, je n'irai pas chercher le SP2. Donc, elle gagne beaucoup en pouvoir. Je la passe sous deux barres. Donc, c'est parfait. Ah, mon Dieu. C'est raté à nouveau. Elle est grave stylée, sa façon d'avancer à America Chavez.
Oui, j'aime bien ses animations, j'aime bien son SP, mais elle m'embête bien en ce moment. Pour charger Morningstar, il faut terminer par un SP3. Il faut soit terminer par un SP3, ou tu dois faire un SP3 et monter à 100 charges. Il faut que je la contre-attaque par un brise-garde et j'en suis incapable. Donc, ouf. Ok, est-ce que je vais réussir? Je crois que oui. Et voilà. Donc, j'aurais été bien embêté de devoir utiliser des objets. Retour de dégâts, ça pique en effet. Donc, elle a trois modes. Et il y a un mode qui renvoie les dégâts lorsque l'on tape, un peu comme Electro. Donc, ça peut être très, très, très. Ça peut faire très mal. Donc, je n'ai pas assez pour ouvrir un 5 étoiles, mais ce que je vais faire, un 6 étoiles, mais je vais aller me faire plaisir puisque je vais ouvrir un 6 étoiles tout de même. Donc, je vais aller dans la boutique, si je peux, si je ne l'ai pas déjà fait, et je vais aller changer 1500, donc 20 000 éclats. Et voilà, donc je me permets de le faire quelques fois pour le plaisir. Et nous allons ouvrir un 6 étoiles aujourd'hui. Donc souhaitez-moi bonne chance. Salut Reverse, comment va Khaleesi? C'est l'équipe de cabane de faire des SP2 longs comme celui de Mangog. Oui, en effet. T'aurais-tu la cheese? De quelle façon? Reverse, exactement. Donc, en faire un n'importe quand. Yes. Bonne chance. Merci beaucoup. Donc, je vois de très bons champions. Je vois de très, très bons champions. Lorsque je vois de très, très bons champions, je me dis toujours que je vais avoir un mauvais. Donc, regardons. Regardez le tirage de malade. Donc, voyez mon prochain 6R3. Définitivement, mon prochain 6R3 mutant. Il ne me reste simplement plus qu'à l'éveiller, mais il fera de très très bons dégâts et je vais monter ce champion 6R3 sans aucune hésitation. Ah, donc très 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 content. Non, je n'ai pas de gemme. Je t'avais souhaité un gâtissaire et c'est fait. Merci, merci beaucoup à vous. Donc, allons voir ce qu'il me manque dans mon inventaire. Je crois que je ne peux même pas le R2 présentement. Mais allons voir si je suis bien loin d'un catalyseur mutant. Donc, je suis très loin d'un catalyseur mutant. Mais ce sera mon prochain 6R3 mutant. Définitivement. Donc, c'est ce qui conclut ce live. Je vais laisser place à Taka pour qu'il puisse faire son live. Je ne sais pas s'il a déjà son lien et si je peux le placer sur mon live. Donc, Taka. Taka n'a toujours pas préparé son live. Alors, je reprends le contrôle du live. Donc, je suis très, très, très content. Allez voir le live de Taka si vous voulez. Donc, il sera en live sous peu. Moi, je vais faire différentes vidéos. Soyez là lundi pour mon live petit compte. Je crois que ce sera le live sur le labyrinthe des légendes.
Donc, venez en grand nombre, venez m'encourager pour traverser cette épreuve sur le petit compte avec 1000 unités. Donc, j'espère être en mesure de le faire, j'espère être en mesure de le réussir. Si je ne réussis pas, je vais pleurer ma vie. Donc, merci à tous d'avoir été là, merci à tous de m'avoir accompagné. Merci à vous, tout simplement. Donc, c'est toujours très plaisant de passer du temps avec vous. Je le fais par plaisir, c'est toujours agréable. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo des éditions de Marvel Tournoi des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée.